On est parti du constat qu'il y avait beaucoup trop de déchets et qu'il fallait qu'on invente une nouvelle manière de boire de l'eau. Beaucoup trop de déchets, gobelets et bouteilles en plastique. Donc on s'est dit, inventons un nouveau moyen de consommer de l'eau, c'est inventer une nouvelle bouteille. Et pour que cette bouteille soit la plus intéressante possible, il faut qu'on fasse de l'éco-conception. Donc on est rentré dans une démarche de création d'un nouvel objet avec une équipe d'éco-concepteurs. Alors cette bouteille, c'est une bouteille donc, qui est fabriquée dans le Val-de-Marne, qui dispose d'un petit espace qui permet une personnalisation. Donc, c'est une bouteille à laquelle on boit au boulot et qu'on peut personnaliser très simplement. L'idée qu'on a eue, c'est que en fait, les gens puissent très facilement changer l'image qui est à l'intérieur et du coup s'approprier l'objet, le changer en fonction de leurs humeurs et du coup que ça favorise la réutilisation de l'objet. Donc plus ils l'utilisent, moins ils vont utiliser de gobelets, moins ils vont utiliser de bouteilles en plastique, moins ils vont faire de déchets. L'idée qu'on a eue pour rendre aussi l'objet attrayant, c'est qu'on peut très facilement changer la couleur de la base de cet objet et du coup il y a autant de gobies que de personnalités. Vous changez en fonction de votre humeur, vous changez l'image en fonction de votre humeur et donc vous êtes content de l'utiliser et donc vous réduisez les déchets.